Alléluia. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ce matin, je suis dans la joie lorsque je viens à la table du Seigneur. Si tu es dans la joie comme moi, tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons penser à la Sainte Cène et nous allons demander à tous ceux qui sont prêts, baptisés, qui sont prêts ce matin de se tenir debout avec nous. Alléluia. Et je voudrais lire ce texte. Alléluia. En Jean 6, à partir du verset 48, il est écrit, « Je suis le pain de vie. » Et parlant d'Israël, il dit, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » C'est ici le pain descendu. Excusez-moi. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et c'est là que je voudrais m'arrêter. Depuis un moment, nous sommes en train de parler d'intimité. Le pasteur Mohamed nous a parlé de ce voyage au travers du tabernacle qui est en quelque sorte notre vie sur terre, notre vie en Christ. Et il a montré l'importance de rester caché en Christ. Parce que sa force devient notre force, sa vitesse devient notre vitesse, sa puissance devient notre puissance. Ici, Jésus nous montre quelque chose. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et là, j'ai compris que pour rester en Jesus Airline, il fallait que je boive le sang et que je mange la chair. Alléluia. Mais il ajoute que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et il dit, et moi je demeure en lui. Alléluia. Donc la Sainte Cène de ce matin est juste la démonstration que je suis caché en Jesus Airline. Que ma vie est cachée et personne ne peut m'atteindre. Parce que pour m'atteindre, il faut atteindre Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, en mémoire de lui, nous allons faire la Sainte Cène. Si tout le monde est prêt. Et la Bible dit aussi dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 11, verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est ce que le Seigneur Jésus dans la nuit, c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit vous fut livré, prit du pain. » Et c'est ce que nous allons faire maintenant, si tout le monde est servi. La Bible dit, il prit du pain et il rendit grâce. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te louons, toi qui as donné ta vie pour nous. En donnant ta vie, Seigneur, tu nous as donné par l'héritage, Seigneur notre Dieu, que tu avais préparé et que tu avais annoncé déjà à Abraham. Nous te bénissons pour ton corps qui a été brisé pour nous, pour ton corps qui a été flagellé pour nous. Et ce matin, en lisant cette parole, tu dis, celui qui mange ta chair demeure en toi. Merci Seigneur, que toute ta gloire te revienne. C'est avec action de grâce que, Seigneur, nous prenons, nous allons prendre maintenant ce corps au nom de Jésus. La Bible dit qu'il brisa. Et du temps, je
et il les distribua. Parce que nous sommes cachés en Christ Jésus, nous allons maintenant manger sa chair, manger son corps, au nom de Jésus. Mangeons son corps. Alléluia. La Bible dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance. Alléluia. Par cette coupe, je peux te déclarer que Dieu est mon Père. Par cette coupe, je peux déclarer que Dieu, je suis sorti de lui. Il est ma source. Il est Abba, Père. Nous te bénissons pour ton sang que tu as versé pour nous. Tu as dit que ce sang crie plus que le sang d'Abel. Merci, parce qu'en prenant cette coupe, ton sang crie encore pour nous. Ton sang crie pour nos familles. Ton sang crie pour nos maisons. Ton sang crie pour notre situation financière. Ton sang crie, Seigneur, pour Seigneur, la situation de notre foyer, de notre couple. Merci, parce que ton sang crie encore ce matin, au nom de Jésus. Nous pouvons prendre la coupe et la boire avec action de grâce. Amen. Tu viens du ciel sur la terre.